Team Stingray Trek Lacasse, parrainé par TVC9. Médaillé de bronze aujourd'hui, troisième de l'étape, le champion canadien du Critérium, Kurt Pennell. Kurt, why don't you step on up? Kurt Pennell. Médaillé de bronze de cette cinquième étape, 100 km 7, il est votre champion canadien du Critérium, Kurt Pennell. Stingray Trek Lacasse, parrainé par TVC9. Le médaillé d'argent de l'équipe du Danemark, parrainé par Canadian Malartic, Jakob Engholm. Silver medal. Et le médaillé d'or de l'équipe Washington Spin Development, parrainé par Éclat Québec, gold medalist Josh Anderson. Merci de leur remettre leur médaille, Monsieur Jean-Marc Saint-Amand, superviseur des services chez Gold Corp. Médaille de bronze pour Kurt Pennell, Stingray Trek Lacasse. Médaille d'argent pour Jakob Engholm, Danemark. Et médaille d'or pour Josh Anderson, Washington Spin Development. Merci de les applaudir chaleureusement. Une gerbe de fleurs est également remise à Josh de la part de Monsieur Jean-Marc Saint-Amand. L'hymne national des États-Unis pour Josh Anderson. Félicitations à Josh Anderson, Jakob Engholm et Kurt Pennell, les médaillés de cette cinquième étape. Congratulations, gentlemen. Job well done out there. Merci beaucoup à Monsieur Saint-Amand pour son soutien autour de la BTB. Dans un instant, la remise des maillots distinctifs. Dernière photo des trois plus rapides au sprint aujourd'hui au sommet de cette petite bosse à Notre-Dame-du-Nord. Belle arrivée. Merci, Anderson, Engholm, Pennell. La cérémonie protocolaire de remise des maillots. Madame Suzanne Fortin, présidente du Tour, va procéder à la remise des maillots. Merci Suzanne. Le maillot bleu sûreté du Québec, remis au meilleur coureur junior première année. The Sûreté du Québec's blue jersey to the best rookie on GC,
From Team USA, parrainé par la ville de Val-d'Or, your blue jersey, Jules Gallium. Jules, up on stage, please. Votre maillot bleu, meilleur coureur junior, première année, Jules Gallium. Mieux placé au classement général chez les coureurs âgés de 16-17 ans, les coureurs juniors, première année, maillot bleu, Sûreté du Québec. Merci d'applaudir le maillot bleu, Jules Gallium Team USA. Le maillot à poids remis au meilleur grimpeur, the top jersey to the best climber so far from Team New Zealand, parrainé par Ambulance Abitémis, Hayden Strong, your king of the mountain. Team New Zealand, Hayden Strong, sponsored by Ambulance Abitémis. Le maillot remis par Madame Suzanne Fortin, présidente du 48e Tour de l'Abitibi. Attention, nous avons quatre hommes qui s'en viennent à la ligne. Félicitations à notre meilleur grimpeur, Hayden Strong. Le maillot orange Hydro-Québec remis au meilleur coureur du classement au point, le premier au classement au point de l'équipe de France, parrainée par la ville de Rouyn-Noranda, le leader au point, Lucas Kroll. Voici le maillot orange, Hydro-Québec. Le maillot des sprinteurs, le leader au point, Lucas Graal, de l'équipe nationale de France. Merci d'applaudir votre maillot orange, Hydro-Québec, Lucas Graal. Finalement, le maillot brun remis au leader du classement général après 5 étapes. Brown jersey, overall leader, after 5 stages from Team USA, sponsored by Ville de Val-d'Or, Brendan McNulty! Overall leader, brown jersey, Brendan McNulty, Team USA. Merci et félicitations à Brendan McNulty, Lucas Graal, Hayden Strong, Jules Gallium, your four jersey wearers, vos détenteurs des quatre maillots distinctifs. McNulty, Graal, Strong, Gallium. Pour la photo, maillot brun, maillot orange, maillot à pois, maillot bleu. Avec d'autres coureurs qui terminent leur étape, dont celui-ci qui me semble être un porte-couleur de l'équipe du Québec. Félicitations, messieurs. Merci beaucoup à Mme Suzanne Fortin. C'est ce qui met fin à la cérémonie protocolaire de remise des maillots de la 48e édition du Tour de... Oh, c'est un coureur de la Nouvelle-Zélande, pardon. Mes excuses à Brandon Leach qui vient de terminer son étape. Voilà pour la cérémonie protocolaire de cette 5e étape du Tour de l'Abitibi. Merci de votre présence. À bientôt.